Dans la famille Madio, je demande le fils aîné. Marc voit le jour à Renazé en Mayenne en 1959. 20 ans plus tard, en 79, il devient champion de France militaire. Le jeune homme rêve d'une grande carrière, mais reste prévoyant, la tête sur les épaules. Avant de me lancer dans une carrière cycliste, si je peux en faire une, j'ai essayé d'assurer mes arrières en faisant notamment de la comptabilité. Son père, lui-même sportif, n'avait pas forcément pensé au cyclisme pour ses fils. Je les ai automatiquement dirigés dans ce sens-là. Non, mais ils ne sont pas plus dans ce secteur-là. Il avait l'amour du vélo tout petit. Champion de France de cyclocross à 23 ans, il s'illustre sur route en 84. Cette année-là, il remporte l'unique étape de sa carrière sur un Tour de France. Mais coéquipier d'un certain Laurent Fignon, ce n'est pas lui la star de sa formation. Disons que je serais peut-être rentré dans les 5 premiers, mais j'aurais eu beaucoup de mal à gagner le Tour de France. Alors donc, pour moi, aucun regret à ce niveau-là. Celui que l'on surnomme le playboy du Tour remportera aussi 2 Paris-Roubaix. En 94, après 17 ans de carrière, il raccroche son vélo, en même temps que son petit frère, lors d'une course chez eux, en Mayenne. Yvon Madio, le discret, est toujours resté dans l'ombre de son aîné. J'ai toujours été fier d'être de Renazé. Je savais que tout le monde allait répondre présent, tout le monde allait être là, tous nos supporters sont là, tous nos amis sont là. Et son grand frère va le conduire dans une autre folle aventure. En 97, Marc Madio crée l'équipe La Française des Jeux. Une équipe devenue référente dans le milieu, avec des coureurs comme Thibaut Pinot ou Arnaud Démare. Et il y met tout son cœur. Encore petit, encore, encore petit. Ça va le faire, ça va le faire. Allez mon petit. Chut. Merde. Des joies, des peines, Marc Madio n'échappera pas au scandale du dopage. Mais aujourd'hui, il est toujours le manager général de l'AFDJ. Son frère en est le directeur sportif. Son expérience, sa connaissance du milieu lui permettront aussi d'être président de la Ligue nationale de cyclisme depuis 10 ans. Une vie à 100 à l'heure.